Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous montrer comment utiliser un des motifs que vous avez déjà pour pouvoir personnaliser avec UTEX ou ArtArt. Donc soit, comme d'habitude dans un logiciel de broderie, vous allez dans Fichier, Ouvrir, et vous allez chercher votre fichier de broderie sur votre ordinateur. Donc ça, c'est tout simple, vous naviguez dans votre explorateur et vous allez chercher votre fichier de broderie. Et après, eh bien, vous rajoutez le texte que vous voulez, tout simplement. Donc ça, c'est la façon, on va dire, habituelle de pouvoir aller chercher vos motifs. La deuxième façon, qui peut être assez pratique, c'est de vous créer un dossier que vous appellerez, par exemple, broderie sur votre ordinateur. Alors, je vais prendre une nouvelle page vierge. Et en fait, en bas à droite, ici, vous allez sur l'icône qui ressemble à un livre. Donc, si vous vous rappelez bien les anciennes vidéos, je vous ai dit qu'ici, vous trouviez pas mal de petits motifs gratuits. Mais vous pouvez aussi rajouter un dossier qui est sur votre ordinateur. Donc, pour ça, vous faites un clic droit sur Design. Vous cliquez sur Nouveau lien. Et vous allez chercher, par exemple, moi j'ai créé un dossier broderie dans mon explorateur. Donc vous voyez, dans téléchargement, hop, je me suis fait un truc broderie. Vous pouvez classer n'importe où votre dossier. Et vous avez juste à cliquer sur sélectionner. Il vous demande si vous voulez bien faire les modifications. Vous dites oui. Donc là, ça vous marque New Link. Idéalement, renommez-le. Donc clic droit, renommez le lien. Et là, je vais l'appeler broderie parce que c'est comme ça que ça s'appelle sur mon ordinateur. Et du coup, vous voyez, automatiquement, il m'a rajouté en fait les dossiers qui étaient dans mon dossier broderie. Donc, ça me permet de les retrouver beaucoup plus rapidement en passant par ici. Et si jamais je veux rajouter un motif, par exemple, dans ce dossier broderie, par exemple, là, je vais aller prendre mes petits hiboux. Voilà, donc je clique droit, copier, hop, copier, je retourne dans mon dossier broderie, ici, donc soit je fais un dossier, soit je peux le mettre en vrac, je vais le mettre en vrac exprès pour vous montrer. Donc maintenant, si je reviens sur le Toolshed, dans mon dossier broderie, vous voyez, le hibou mignon s'est rajouté. Donc c'est vraiment très très simple d'utiliser les motifs qu'on a déjà achetés sur notre ordinateur en passant par cette façon-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à l'utiliser encore plus. À bientôt !